Surface Télévision, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé lundi dernier un logiciel de gestion de marché public permettant d'autonomiser l'ensemble de procédures de passation des marchés, de réduire le délai de traitement des dossiers, ainsi de suite. Les détails dans ce reportage. Le nouveau logiciel de marché public Sigma, lancé en RDC par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Rotana Hotel, en présence du Premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement et autres responsables des services de l'État impliqués dans la chaîne de passation de marché public. La mise en service des Sigma et la matérialisation de la réforme de finances publiques retenue pour l'exercice 2022 conformément au plan stratégique des réformes de finances publiques tel que décidé par le chef de l'État en date du 26 novembre 2021. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole pour prononcer son mot de lancement de ses projets. Mérite d'être célébré à juste titre. Cette date symbolise pour la République démocratique du Congo, notre cher pays, son entrée dans l'ère du numérique pour l'amélioration de la transparence et de la modernisation des procédures et outils de gestion des marchés publics. En effet, après l'adoption en novembre 2021 du nouveau programme de modernisation de la gestion des finances publiques, cette date matérialise et témoigne de notre volonté politique et de notre engagement à relever un double défi. Ce dernier consiste premièrement à matérialiser les réformes imprimées dans la gouvernance des finances publiques et deuxièmement, il tend à relever efficacement le niveau de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Pour le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara, la mise en place du système intégré de gestion de marché public s'inscrit dans la démarche du gouvernement de garantir le bon emploi de fonds publics dès lors que le marché public représente à ces jours 63% des dépenses publiques réalisées par l'État. A mis ce mécanisme-là, il y a notamment le contrôle qui est organisé. Le contrôle en amont avec la DGSMP et en aval avec l'ARMP. Mais l'IGF et la Cour des comptes sont des corps de contrôle qui sont appelés à intervenir à un certain niveau. S'agissant particulièrement de la Cour des comptes, qui est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques, la superstructure de contrôle. Donc nous sommes particulièrement intéressés par ce que nous venons de voir ici, parce que il s'agit ici de nous démontrer comment le gouvernement congolais, à travers le ministère du budget, entend favoriser la traçabilité de toutes les opérations relatives à la passation des marchés publics. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguété, a aussi réagi. Je veux savoir que l'inspection générale des finances salue l'arrivée et la redynamisation de la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes, c'est l'organe de contrôle externe de l'exécutif. L'inspection générale des finances
fait les contrôles internes au niveau de l'exécutif. Et je pense que les deux contrôles sont de nature à implémenter la bonne gouvernance dans notre pays. Donc, nous saluons l'arrivée de la Cour des comptes et nous espérons vivement que la bonne gouvernance viendra plus rapidement et que les faits de détournement des deniers publics et de corruption seront suffisamment repoussés. Retenons que l'œuvre d'un Congolais, les SIGMAP, comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations perspectives sur la procédure de passation et d'exécution du marché public. La cérémonie de clôture officielle de l'année académique 2021-2022 de la 7e session ordinaire de la 5e session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et défense CHEST a eu lieu ce mardi 30 août 2022, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui a représenté le chef de l'État. Prisca Siloulou nous en dit plus. Représentant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé ce mardi 30 août 2022 la cérémonie de clôture officielle de l'année académique 2021-2022. De la 7e session ordinaire de la 5e session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et défense et de la 5e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire. D'emblée, féliciter les heureux lauréats de ce jour et leur souhaite plein succès dans leurs fonctions en mettant en pratique les connaissances acquises au CHEST. Et je me sens ici honoré d'avoir représenté Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Je me sens également honoré d'avoir parrainé cette 5e session. Et l'une des plus nombreuses, bien sûr. Et c'est en son nom donc, au nom du président de la République, que je déclare close l'année académique 2021-2022 et ouverte l'année 2022-2023. Que Dieu bénisse le CHEST, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Rappelons que les lauréats de la 5e session spéciale ont rapporté leur soutien à l'effort de guerre à l'est de la République démocratique du Congo en contribuant avec un chèque de 18 500 dollars. À Kinshasa, la police nationale a présenté au gouverneur de la ville, Chantini Ngobila, 793 bandits urbains communément appelés Kuluna, parmi lesquels 61 enfants mineurs. C'était au cours d'une cérémonie organisée au terrain flamboyant dans la commune de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités, notamment Godin Poy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Sylvano Kasongo, chef de la police à Kinshasa, ou encore de membres des associations de défense des droits de l'homme. Jean-Tini Ngobila a appelé la police à accentuer la traque de ces inciviques afin que ce phénomène prenne définitivement fin sur la capitale congolaise.